Moi, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. J'ai été en formation TSA Aquaponie en 2022. Formation de 10 mois avec différents stages un petit peu partout en France. Qui s'est très bien passé et à l'issue de cette formation, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités en plus dans le monde dans lequel j'ai fait ma formation. Donc, je travaille aujourd'hui pour un bureau d'études qui s'appelle Végétaux, qui est basé dans l'Aisne. Et on aide à la conception de petites à moyenne ferme pour du particulier ou du professionnel. Alors moi j'ai toujours été passionné de pêche, de poisson, d'aquariophilie et tout naturellement en fait j'ai voulu faire évoluer un petit peu mes pratiques sur l'aquariophilie et j'ai découvert l'aquaponie un petit peu par hasard sur internet il y a 2 ans et demi. Et j'ai voulu m'y mettre à plein temps. Donc, j'ai quitté à l'époque mon poste en informatique pour me lancer à fond dans la Papouasie et me former ici chez Ecolocheb. Alors, j'ai découvert Aquaponia sur Internet quand on recherche une formation certifiante. Je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui le cas, mais à l'époque, quand on cherchait une formation certifiante en Aquaponie reconnue, il n'y avait que celle-ci. C'était le seul centre de formation que j'ai trouvé et rapidement, en fait, quand je suis venu en formation au début ici, j'ai rapidement été conforté dans mon choix, ce qui m'a fait que j'ai pas eu besoin d'aller chercher spécialement ailleurs. Parce que ce soit le lieu, les différents systèmes aquaponiques qu'on a ici, la pédagogie des gens, on sait que la formation s'est très très bien passée et je peux que la conseiller à d'autres qui s'intéresseraient à se former en aquaponie. Alors, projet pro, aujourd'hui, du coup, je suis salarié pour un bureau d'études en aquaponie. On discute avec Raphaël Boulangaré, qui est le patron, pour que je me mette à mon compte potentiellement et que je fasse des prestations en consulting sur les systèmes, de l'accompagnement de chantier et de l'accompagnement de porteurs de projets au lancement des systèmes, aider à produire, aider à opérer au quotidien la ferme. Aujourd'hui, du coup, salarié depuis 7 mois dans le bureau d'études, je commence à me renseigner pour trouver moi-même mes clients, un consultant, trouver moi-même des problématiques à régler pour pas avoir comme seul client Végétaux. Mais pour l'instant, je prospecte et je pense que d'ici un mois et demi, je commencerai à démarrer l'activité. Humanité. Avenir, écosystème. Pour Ecologia, la découverte, parce que Ecologia a récupéré ce terrain, le met en valeur et le fait découvrir à d'autres. Donc je dirais pour Ecologia, la découverte, la pédagogie et l'histoire. L'aquaponie, c'est top. Par contre, forcément, c'est quelque chose de technique. Ça attire beaucoup de monde. Mais il faut bien avoir conscience qu'on se prétend aquaponiste. Se prétendre aquaponiste, c'est se prétendre plombier, aquaculteur, hydroponiste, chimiste, gestionnaire d'entreprise. Donc, un mot pour les futurs aquaponistes, courage.